Salut les gens Stardarine, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Europa Universalis 4. Je suis avec Splan, Broulaf et le Signe Noir. Bonsoir les gars. Salut tout le monde. Coucou. On fait petite guerre, ça se passe très bien. Ouais, la prochaine elle va bien se passer aussi, je vais aller casser du bohémien. Ton rêve. Donc moi je laisse Venise faire le siège rêve. Et je vais faire autre chose. Oui, je vais essayer de fidéliser un peu mes vassaux parce que là ils commencent à bien me péter les roubignoles. Découverte du Japon. Pas trop agressivement quand même. Bah dis donc. Monsieur ah bah je vois quasiment toute la carte du monde là. Et voilà, encore un qui partage pas. Ouais, je suis d'accord. Enfin, prendre des mesures. D'écoute. Je vais aller voler des cartes, parce que j'ai pas de prestige pour te les acheter, je suis désolé. Je pense qu'il n'y a plus que ça à faire. C'est où Constance? Ah non mais c'est loin Constance, j'ai pas que ça à foutre moi. Bah oui, c'est pour ça que je me tâtais de revenir chez moi et de commencer à aller m'en occuper de ces pays-là. Mais... Voilà, non, le français il repart la queue entre les jambes. C'est bien de tout dessiéger. Je vais aller m'occuper de Constance, mais pour l'instant je peux pas trop séparer mes troupes parce qu'il y a les 34 000 qui rôdent. Ouais. Ouais, vas-y tranquille. Hein. Ah ça y est, je les vois. Ils sont en train d'attaquer ma capitale. Super. Ah oui, j'avoue. Tu les coins sur l'île, non? Rien. Oui, je vais les laisser venir. Il est en train de recruter des troupes, l'autre petit con là. Hop, on va faire un petit. Par contre, il commence le siège à 0, ça me pique. Ah bah il est bon, hein. Ça fait un peu trop à mon goût. Non, 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 non. Oh la saleté, je suis en train de me faire les prétendants, je sais pas quoi, la Milanais. Bah ouais, mais s'il se fait des trucs à 0, moi je vais pas pouvoir le défoncer. Tu peux toujours le coincer. Tous mes trucs sont en train de finir des sièges, je peux pas abandonner un siège à moitié fini. Je suis bien placé là pour le blocus de Lisbonne, ouais, c'est bon. Mais la bonne nouvelle, c'est que même s'il fait tomber ma capitale, il pourra défaite. Pas partir. De quoi? Ah putain, je suis en train de recruter des troupes. Sérieux. Allez, c'est la guerre! Parce que t'étais pas en guerre, toi. Yes! Oui, j'étais pas en guerre. J'ai fait tomber Rome. Je ramène 13 000 hommes. Mais sérieux, Naples! Te sépare pas Naples. Trop, Il y a le français y a encore en haut, le français, là, j'ai ouais, vu. Qui traîne. Hop là, j'ai fait tomber Gênes. Ça, c'est qui arrive? C'est Naples, ok. Naples qui arrive pour décider le truc. Par contre, j'aimerais bien récupérer le siège des provinces espagnoles, enfin castillanes. Ouais, c'est bon, j'arrive. C'est quoi? Ah, c'est... Oui, c'est... Tu me laisses Cuba ou ils pas? Ils ont filé ça à la Scandinavie. Non, c'est moi qui l'ai pris sans faire exprès. C'est surtout la Scandinavie qui les a pris. Oui, voilà. Ah, c'est d'accord. J'ai tombé en cône, tout est tombé. Tout le pape est tombé. Hein. Ok. Et mais Venise n'est pas tombée, assez bizarrement. Du coup, je vais aller tataner le reste du français. Pour le plaisir. Ouais, bah donc, pour une fois, je peux vaincre les armées françaises. S'il y a 62 000 hommes contre 32, si je gagne la bataille en défense, alors il se fait stack wipe parce que monsieur ne peut pas partir. Ah, mais il y a des rebelles c'est chez dur, moi. C'est dur, sa vie. C'est tellement dur. Au niveau dur. Des techs, oui, on peut se permettre de prendre ça. Mais où sont tes troupes, hein? Où sont les troupes? Bon, là, on peut peut-être se scinder, ça y est, il n'y a plus trop de danger. Bon bah du coup je prends Naples hein. Puisque Naples n'a pas voulu prendre Naples. On m'expliquera hein, quand même. C'est ton vassal Naples. Trop... Ouais. Ouais c'est... Naples n'a pas voulu prendre Naples où il n'y a pas de fort ni rien. Je sais pas trop risqué ou sûrement un truc dans ce genre là. J'ai pris Léon donc faut que je revienne. Pour le donner. Comment ça perdre 2-1 en stab? Mais il va où Naples? Il est en train de faire tout le tour par Tunis et tout. Qu'est-ce qu'il branle? À Naples, il se touche, clairement. Non, il se balade, tranquille ou bilou, pas de soucis. C'est bon pour la paix avec Castille? Et j'ai pas simulé encore. Tolède est pas et tombé, bah donc... Ça
Oui, Tolède n'est pas tombé. Hein. Bientôt, mais... T'as pas besoin de mettre la pause pour simuler, mais comme il n'y a rien à surveiller, je suis en train d'attaquer les dernières troupes castillanes. C'est la Syrie, quand même, qui fait le siège de Tolède. Hein. Et ouais. Il n'y a plus de troupes... Excusez-nous du peu. ...de l'État pontifico, donc ça devrait bien se passer. L'Union évangélique. Choisissez votre camp. Non, j'ai l'impression qu'il a choisi tout ce qu'il fallait bien, non ? Moi, je crois que je vais pas prendre de camp. Stack wipe de la Castille, après le stack wipe des États pontificaux, vous devriez vous en sortir maintenant. Bon, bah c'est simple, moi je rejoins la Ligue catholique, quoi qu'il arrive. Bah on peut pas rejoindre tant qu'on est en guerre, c'est terrible. Moi je suis en guerre, j'ai juste eu un event pour rejoindre de force. Ah oui. Ok. Bon, en vrai, j'avais le choix, je pouvais perdre du prestige. J'envoie 50 000 hommes sur les 3 000 nouveaux soldats des États pontificaux, au cas où. Qu'est-ce que j'ai foutu de mes bateaux? Ça devrait bien se passer. Au cas où. Ouais, bon. J'ai gagné la première bataille. Ouh, il avait 5000 de Saligo. C'est quoi, c'est... Il avait caché des mais trous. Oui, c'est marrant, c'est un truc secret, je sais pas, mais... Hop, on complète. Hop, là, occupé par Portugal. Ah, la Syrie, elle a filé Tolède à Venise. On va mettre en pause. Rends le siège, Slan. J'imagine que tu peux faire la paix. Oui, je pense, oui. Ah, c'est à moi de la faire. Faut que tu me dises ce que tu veux. Bah, toute la Galice. On va lui laisser c'est... Oviedo, je pense. C'est quoi la Galice? Non. Alors, attends. Dis-moi des vrais noms. Oviedo, Lugo, Orens. Ponte Verde. Ponte Verde. Après, bah, Léon, parce que c'est un fort. Tolède. Ouais. Ça me permettra de l'émir. Après, c'est alors, la capitale. Ça. Il veut pas du tout pour le moment. Ah, bah alors non, pour pas Tolède, c'est la capitale, ça va piquer. Ouais. Pour l'instant, il veut bien, il veut même pas tout ce que tu m'as dit. Il veut bien Oviedo, Lugo, Orens et Ponte Verde. Alors, on peut prendre les deux derniers, on va laisser défiler, on va prendre les deux derniers et on verra ce qu'il veut. Parce que très clairement, il voudra pas beaucoup plus, il a plein de colonies dans la bataille. Mmh. Ouais, ouais, et puis il a pris les territoires du Brésil, de... Et puis il simule quand même pour la coalition, fait méfie-toi. Il m'a piqué ma colonie que j'étais en train de faire à Coquimbo. Il a piqué bah oui. Pour lui. Bah oui. Le fiefé manant. Tu me coûtes cher avec tes guerres. Oh, arrête. Ça fait penser que j'ai oublié de vous payer pour l'instant. Donc, on va envoyer le rab à la Scandinavie. Tu peux rentrer chez toi, Scandinave, hein, je pense. Et un petit peu de sous au Portugal aussi. Non, ça c'est déclaré. Allez, Oxford a disparu. Ok. Portugal, tu simules au niveau de l'expansion agressive. Alors, il est en moyen d'un coup la Castille, je sais pas pourquoi. Parce qu'on a tout pris. Toute façon, moi, il veut pas plus que les 4 terres. Moi, il veut même pas les 4 terres. Par contre, je peux prendre Léon à la place de Rennes, ça fera un peu plus. De toute façon, tu peux pas faire de paix avec lui. Je peux te proposer Oviedo, Léon, Lugo, Ponte Verde. À Léon, il faut que j'apprenne, ouais, c'est un fort. Donc, à la place de Rennes, t'as Léon. Ouais, ça marche. Bon, ça marche. Ah, 55. Alors, attends, parce que je peux prendre encore 6%. T'as des endroits où tu tentes de faire des colonies ou des trucs comme ça et tu voudrais des terres? Bah, qui me rendent ma colonie, par exemple. Elle est où? Coquimbo. C'est toi qui l'occupe? Non, personne ne l'occupe puisque c'est ma colonie qui l'a pris. Donc je peux pas le faire, je peux juste prendre pour moi. Palencia, Ségovie. Tu la prends pour toi, puis après tu lui revends. Salamanque. Elle est où cette colonie? Comment elle s'appelle? Coquimbo, c'est dans les Andes là. Celle qui est le plus au sud. En fait, elle est jaune puisqu'il me l'a prise. Je la vois pas. À côté de Mendoza.
Ouais, mais j'ai rouge. Le brouillard de t'as guerre, pas la vision. Tu vas pas c'est la dans voir, les Antilles, ouais. C'est ça? Non, c'est dans les Andes. Ah dans ouais, non, mais Andes. C'est mort. Il y a personne qui voit dans les Andes par toi. Je vois pas dans les Andes. Hein. Et puis en plus, il n'y a d'accord. pas de truc avec P. Avec P, j'ai pas l'Ancia Pambu Paraiba. Parce non, que je dois. C'est, je... pas, P. Avis... c'est pas P, c'est C. C-O-Q-U-I-M-B-O. Coquimbo, je peux pas la cocher. Je peux pas la légitimer. D'accord. Okay. Allez, c'est parti, un petit peu de sous. Très bien, il ne reste plus qu'à finir. On a deux sièges à faire et c'est bon. Vous pouvez rentrer chez vous, hein, je m'occupe de la fin. Pas de soucis, un plaisir. Toi tu vas là. J'avais l'intention de t'envoyer 1000 boudaf, je pense que j'ai oublié de le faire, non? Ouais. C'est fait. Merci. Pour rembourser des emprunts comme ça. Un demi. Ou alors je développe l'Alhambra. Je pense pas que ça vaille le coup de développer l'Alhambra tout de suite. Surtout qu'elle a été nerfée l'Alhambra. Efficacité administrative, 5% encore. Hein. C'est marrant, je peux améliorer les navires mais ça me coûte 0. C'est louche quand même. Bah ouais. Je me fierais si j'étais toi. Je suis assez d'accord. Ah voilà, quand je clique, ça me donne une somme. Très bien. 500 balles. C'est plus la même déjà. Allez, en avant. Guingamp. Bon, dis-moi, Constance. Ouh, l'empereur juste, ça fait plaisir ça. Y a pas un moment, tu veux quitter moins cette d'eau chute, d'agitation là dans le pays? Non, on veut pas quitter. Allez, on va s'occuper de ces séparatistes là, qui se croient tout permis. C'est pas vrai, les états pontificaux ils m'ont chopé. Ça tue. Vos bateaux. Et ils m'ont filé des galères. J'en veux pas de tes galères. Hop là. Petite pause. Tu fais bien. Pour sortir Constance. Ah bah parfait, ça va. Ah non, il a donné tous les sièges à l'état pontifique. Et. Ah mais de toute façon, on est à 99 hein, pour l'autre. Hein. Tu veux dire que c'est la petite fin. Petite pause pour la paix avec les états pontificaux. Rétrocéder Naples à Naples. Voilà, on va commencer par ça. Ça me fait 23% de score de guerre, donc si je la prends, et si je décide de prendre Naples, ça me fait 15% de score de guerre, donc il vaut mieux que je la prenne. Ensuite, rétrocéder, il n'y a rien, exiger, relâcher. Provence, c'est 36%. Pérouse, Spolette. Il va tout commencer de construire ce genre de terre, je peux prendre Nice. Et ça me fait une coalition de personnes. Déjà, on va le lancer là. C'est nécessaire. On y va. Je suis en train de faire de la merde. Il va falloir faire ça aussi. Ça m'a l'air bon. Voilà. Même pas de sous. Putain. Ah non, pas un centime là dans la paix. Bah, il fallait les faiblir au maximum. Donc, j'ai pris 100% de relâchage de tout. Quoi. Invité dans la ligue commerciale, 30. Comment voilà, ça se fait bien. T'es pas censé pouvoir faire des ligues commerciales que si t'as un mono-pays? Ex. Non. Non. C'est ton régime gouvernemental qui te permet de le faire. Par contre, pour intégrer une ligue commerciale, il faut être un OPM. Ah oui, c'est ça. Spolette et Pérouse. Alors, il faut que on convoque les états. Moi, je soutiendrais bien l'indépendance de l'Autriche, tu vois. Pour faire chier le français. Soutien à l'indépendance, c'est fait. Premier tour du monde. Bravo, on voit ce que tu faisais pendant la guerre, quoi. Par contre, si je suis tout seul à soutenir, je vais arrêter.
Non, non, j'y suis. Tu soutiens qui? Ok. L'indépendance de l'Autriche. Ah oui, pas bête. Ah mais il faut un... Voilà, rejeter ma proposition d'un soutien. Non merci, t'es gentil, t'es trop nul. Si je... Mais c'est mignon, elle veut bien. C'est très mignon. Mais maintenant elle veut bien, j'ai pas compris. Ah, ouais, parce que ouais, quelqu'un d'autre avait dû lui proposer. Et tant qu'elle étudiait sa proposition, je pouvais pas. Là, le 29 janvier, normalement, je peux. Soyez sympa, déclenchez pas tout de suite. Ah, ouais, de c'est toute façon, pas moi, je suis en guerre. C'est elle qui va déclencher. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Que moi, les colonies. Perdu là, ça joue beaucoup trop non, vite pour moi. Elle nous déteste, l'Autriche. Elle nous déteste à moins 98, alors elle veut pas qu'on soutienne. Mais elle est con. Bah, démerde-toi. Oh, j'ai eu un event de déplacement des colonies, mais j'ai absolument pas vu où c'était. C'est là. Ok. Très bien. Temps de. Voilà. Tu vas là-bas. Parfait. Ça c'est terminé. Ouais, c'est terminé. Ok. Bon, j'ai 100 000. Oh non! Pff, saleté. Il m'a re-excommunié. Allez hop, faut que je devienne. J'ai pas eu le temps de commencer parce que c'est maintenant que je peux commencer à améliorer les relations avec lui. Bon, ben voilà. J'étais à moins 113, donc en améliorant et en payant un peu, la prochaine fois il va pas m'excommunier. Super. Moi, faire des colonies dans des zones revendiquées par d'autres, il aime pas ça. Moins 190. Voilà, la coalition commence à s'écrouler, ça y est. Ils ont fini par se rendre compte que c'était une idée de merde. Bien, si la prochaine capitale pouvait tomber, ça m'arrangerait. Alors, Mamelouk, 1570, j'ai 3 ans pour aller me positionner, ok. Le Toscan, il est parti direct en Moscovie. Il s'arrête pas, le gars, il fait « j'y vais !» Bon, ok. C'est-à-dire qu'il a été un peu frustré dans sa guerre avec moi. Bon, bah, je vous remercie de m'avoir aidé en tout cas. Ou l'inverse, je sais pas. Bah, de rien, oui, écoute, t'as payé donc. Hop là. Car accueille de l'ouf. Bah, non, je vais prendre les 15 points diplomatiques. Hein. Il veut que tu l'aides? Non, uni dans la prière. Uni dans la c'est prière. C'est vrai qu'il est catholique. Il me déteste parce qu'il est catholique, mais toi, il t'aime bien. Super. 30 à quitter la ligue. Mais non, quitte pas. Puis de quelle heure, de quel droit? Je te marche dessus, moi. Je te piétine. Ah, la coalition pète. Je la coalition la pète. Allez. Naples, je t'annexe. Bien, moi j'ai chopé Praha. Waouh, chaud quand même. Alors, est-ce qu'on a des foyers à éliminer par chez nous? Non, on a fait de taf. Alors, est-ce que j'ai réussi à les Égyptiens là? Hop, ça y est, ça y est. C'est enfin. Qui gueule? Ouf. C'est de ce côté-là. C'était là, je crois. Ah ouais, voilà, c'est un peu loin. Non, non, on est là, on est le bateau. Je peux maintenant prendre donc la capitale. Parfait. Et ça y est, j'ai mon colonisateur. Ah. Je vais pouvoir aller en Amérique du Sud. Même pas en rêve, tu t'approches de l'Amérique du Sud. Ouais, il faut partager, hein. T'es donc... chez moi. Non, mais je t'ai dit que j'étais pas partageur. Déjà que j'ai un Scandinave qui est venu se faire dorer la pilule dans les Antilles, là. Alors, je ne peux rivaliser que l'ordre teutonique et le Portugal. Hein. Scandinavie, désolé, t'es mais vraiment trop faible. Bateau, là. Ah, mais putain, on a un vaisseau lourd. Là. Non, mais putain. Ah, t'as 1826 points de score de points de développement. Vache. Qui c'est à moi? Moi, j'ai du développement.
Ah ouais, j'ai du développement, ouais. Bah, faut bien. Faut se développer aussi en même temps dans la vie. Hein. Ouais, t'as 600 points d'avance, quoi. Et on attaque le Mamelouk bientôt. Yes! On va pouvoir prendre le... Maintenant que j'ai adopté la culture égyptienne, je vais pouvoir prendre les pyramides. Fait penser qu'on va accélérer. Là, j'ai 6000, donc je vais accélérer à nouveau Petra. Voilà, ça y est, c'est fini le niveau 2. Et dès qu'on a 5000, on va lancer le niveau 3 pour avoir plus de réputation diplomatique et plus une relation. Toi, tu vas là. Hop. On gagne 300 par mois, c'est correct. Au niveau des bateaux. En tout cas, la papauté peut plus me rivaliser. Okay. Donc on améliore. Normalement, elle me rivalise plus non plus. Ouais. Déjà, moi, elle me rivalisait plus, mais moi, elle continue à me détester. Bah, moi aussi, parce que à cause des colonies. Traité de Tordesillas non respecté, je suis à moins 200. Ah, du coup, je t'avais dit de me laisser les Antilles. C'est pas tes colonies à toi, c'est toutes celles que j'ai fait en Amérique du Sud. Puisque moi, là, à un moment où elle t'a accordé la revendication des Antilles, j'avais déjà mes Antilles, moi. J'ai rien pris en Antilles, c'est tout ce que j'ai fait en Amérique du Sud. Tu veux dire que maintenant tu laisses tes Antillais se démerder? Non, bah, ça veut dire que... tranquille. Tiens, c'est libéré. Je crois pas que ce soit une colonie de la couronne, une colonie autonome, donc du coup ils doivent pas beaucoup progresser. Ouais. Non, mais ils sont juste là pour le commerce. Non. Une aptitude. Alors personne n'a envie de se faire vassaliser. Pourquoi? Soutien à l'indépendance, Autriche. Bah, pourquoi je pourrais pas soutenir l'indépendance de l'Autriche? Tu le fais déjà. Ah, c'est rompre le soutien à l'indépendance qu'on me propose. C'est ça, pardon. Dissoudre l'alliance. Un petit dans l'aide commerciale, j'ai personne. Ouais. Ouais, avec ça, ça sert à rien. Le revenu à plus 100, ça fait un peu mal aux fesses. Dépensons sans compter, mais clair. Non! Jamais! Ils sont fous! Bon. Comment ça, on compterait pas? On compte toujours. On compte toujours et on compte tout. On compte chaque centime. Bon, allez hop, est-ce que j'ai des ateliers à faire, non? Voilà, c'est parti. Défenseur de la foi! Il a vraiment pas de prestige, le pauvre teuton. Hein. Tu as 100? Non, 80. Eh oui, dis-moi 81. Direct, ça pop! Mais bon, deux secondes plus tard, tu passes à 82, et puis hop, tu redépenses 500. Tu voulais des cartes. On a juste perdu 1000. Ah, ça y est. Je veux des cartes, mais je peux pas les avoir tout de suite. Messieurs, c'est la baston, on va tabasser du français. Ouais. Guerre d'indépendance autrichienne, bah amusez-vous bien, je peux intervenir. Hein. Moi, je vais aller du côté du français, je suppose. Moi j'ai toutes mes troupes à côté du Mamelouk, hein, donc je vais nulle part. Hein. Bon bah je vais intervenir. Ah bah moi il y a le français qui vient chez moi. Donc toi tu vas intervenir. Ouais, on interviendra du côté de la France. Je pourrais pas intervenir tout seul. Hein. Je pourrais pas prendre le français et le suisse tout seul. Hein. Ah bah t'as voulu soutenir, hein. Maintenant t'assumes. Hein. C'est une bonne chose. Je vais voir si je peux ramener une partie de mes troupes. Oh oui, prends le droit de mouillage, paye-moi des thunes. C'est deux maxi, hein, ça peut pas être plus. Ouais, mais c'est toujours ça de prix. Hein. J'ai besoin, parce que pour t'emprunter des cartes, faut que j'ai ma flotte qui soit à côté. Mm-hmm. Donc là, je suis en train d'envoyer ma flotte à Luanda. C'est au Congo, ça. Ouais. Qu'est-ce que tu fais à prendre des cartes au Congo? Il faut que je te demande les deux cartes pour pouvoir passer en dessous et envoyer toute ma flotte dans la mer Rouge. Ok, je comprends maintenant. Tu te fais défoncer, le Portugais? Tu sors de la guerre dans deux secondes. Bah tu ferais mieux d'y aller, hein, parce qu'il va te sortir. Hein. Il va te sortir en te faisant relâcher des tas de trucs. Pour le moment, je lui prends ses colonies africaines. Ça, c'est une bonne idée. Est-ce que 27 000 hommes sont nécessaires pour ça? Je ne sais pas.
Allez, j'ai envoyé 50 000 hommes quand même. Hein. J'envoie une petite partie de ma force. Ah, j'ai un moral terrestre plus 3, vas-y, je prends. Alors, bon, du coup, et puis je vais recruter. Pas des opportunités, là. Je recrute 40 000 hommes de plus pour passer à 150 000. Genre par exemple, attaquer Barem par exemple. Alors Nap c'est 23 000 hommes quand même. La Syrie c'est 19 000 hommes et Karakoyunlu c'est 12 000 hommes. Eux ils vont y aller. Donc finalement j'envoie en plus de mes 50 000 hommes, j'en envoie 50 autres 1000. Visiblement, t'es pas au courant, mais comme ça. Vous pouvez vous attacher là derrière moi. Hop là. Faire peur désintéressé, ouais. C'est bon ça. J'avais même pas vu, mais Nimbo il s'est un peu fait péter. T'es plus un rival valide. Tu m'étonnes. Et nouveau dirigeant 5-2-3. Il y a Gene qui soutient le. Ah, l'Angleterre aussi. Oh là là, ça fait peur. Il y a eu une épidémie à Milan, c'est pas de bol. Oh là là, 1-3-2 là, pff, c'est terrible. Ça c'est du chouette dirigeant. Non, on se bat contre Gênes, Suisse, Angleterre. Tiens, la France est alliée à l'Angleterre quoi, lol. Oui, mais enfin bon. L'Angleterre, bon. La Cornouaille. La Cornouaille. Ouais, voilà. L'Angleterre est renommée en Cornouaille. Il est sous de ma gueule le Napolitain. Je lui ai demandé de s'attacher à moi, il passe devant et il continue. Oh, oh. Réveille. Ah, pendant ce temps-là, je tape un peu le nord du Saint-Empire, hein, m'en voudrait pas. Ouais, allez, moi je défonce Dimitri. Si tu pouvais finir l'Anglais, tant qu'à faire, hein, ça nous arrangerait aussi, hein, ça va être chiant à les sortir. Ça m'étonnerait que l'Autrichien te donne les provinces, mais tu peux toujours les revendiquer, tu les donneras peut-être quand il va sortir l'Anglais. Ah bah moi, de toute façon, je suis pas dans la guerre avec vous, hein. Il a pas accepté. Il est pas avec nous. Non, non, il voulait pas que je soutienne. Il voulait pas que je soutienne. Il était en mode, ouais, je t'aime pas. Ah, punaise, j'ai la même chose. Perte de 1 en stab à cause de fonction régalienne en danger. C'est trop dur. Ça pique. En magie. Je suis passé, du coup, bah ouais. Bah, du coup, ça pique. On va dérouter le commerce en Karakoyunlu pour se faire un peu plus de sous. Ma flotte est arrivée. Portugal, on va te demander une carte. Est-ce que j'ai le droit pendant les guerres? Demande de carte, ça va être l'Atlantique Sud, voilà, je crois. On s'occupera de ça à l'occasion. Hop. Merci. Portugal, j'ai amené 25 000 hommes pour te soutenir, mais je te vois pas, moi. Je suis en train de remonter avec une partie de mon armée, l'autre est en train de prendre les îles. D'accord. Bah t'as 25 000 hommes, je peux te les attacher au cul, mais pour l'instant, visiblement, tu pourras rien en faire. Ah, l'Autrichien a décidé que c'était le siège de Milan avait assez duré. Mmh. Il est allé mettre des baffes direct. Angleterre, Gênes, Suisse. Ah, c'est Gênes qu'il faut que je prenne. C'est parti. Hop là. Ah, ça y est, allez. Hop, je vais filer ça à l'Autriche. Faire un petit peu de revenus. Oublier de dépenser. On y va, ici. Et nous, on va filer droit sur... Ah. Comment ça, je peux pas aller à Paris? Je peux pas aller à Paris. Paris! Attaque ou défense? Encore un stab? Oh non, mais sérieux, il y a 60 000 hommes chez moi, quoi. Bah oui. Ça fait beaucoup. Non. Même plus que 60 000, 70. C'est surtout que Studio était en train d'envoyer 20 000 sur ta capitale. Et je crois qu'il aurait pas dû. Si, va là-bas, toi. On a gagné, là. Ouais, la Suisse va pas tarder à sortir parce que le teuton, il est à 49% sur la capitale. Qu'est-ce que tu fais? 42. 42, pardon. Évidemment, j'ai eu une épidémie, hein, sinon c'est pas drôle. Le français, il a décidé que malgré mes 25 000 hommes, il restait sur ta capitale. D'accord, il fait ce qu'il veut. Il est confiant, le français. Surtout que moi, c'est des mercenaires, donc j'en ai rien à foutre. Hein. Si elle perd, elle les disbande et je reprends une autre. Ouais, il était confiant, mais il aurait pas dû. Parce que mes mercenaires, c'est pas des kékés. C'est pas du petit mercenaire. Ah, ça y est, Berne s'est pris.
C'est maintenant, du bon mercenaire. Voilà, maintenant, dans ta tronche. On peut toujours pas aller sur Paris. Sortez bateau maintenant, on rigole un peu. Tu peux pas passer chez le Bourguignon, vas-y, file. Bon, je vais sûrement me faire choper par les 40 000 par contre. Mais c'est pas grave. Tiens, je t'envoie un petit peu pour soutenir. Ça gueule si je le prends. Valet. Ouais, ça gueule un peu si je le prends. Ouais, bon, okay. C'est bon, il m'a chopé. Quoi, non? J'ai réussi à esquiver? Ok, je l'ai esquivé. Il me poursuit. Ok, il m'a poursuivi. Ouais. Qui c'est qui fait la défense de zone, hein? Au Portugal, Carine, comme d'habitude, c'est Venise. Merde, on va trop loin. Alors, quand on a je te jure, on va faire 2-3 manufactures là, du coup, pour se détendre. Tac. Tac. Et j'ai remboursé tous mes emprunts. Youpi. Bravo. Bien joué. Il était temps. Quoi? Ah, il m'a suivi. Me dis pas que t'avais pas mis de bateau. Bouddha. Bah, mes bateaux, ils étaient en train de ramener mon armée. Mais t'avais pas un bateau à mettre, t'es sérieux? Je suis obligé avec mes 20 000 hommes de défoncer les 40 000 Français, hein, t'es chiant, hein. 20 000 Français là. Ah non, c'était 40 000. C'était 40 000, oui, il y en a ouais, plus qui arrivent. Et il n'y a toujours pas de bateau. Non, ils sont pas obligés de mettre des bateaux. Ils sont sur le trajet de retour, les bateaux, j'y peux rien. Allez, 18 000 contre 16 000, on va redéfoncer. C'est parti. J'arrive avec mes troupes déjà qui sont là. Non, mais c'est bon, je viens de niquer les 60 000 Français avec 25 000 hommes. Je ne sais pas comment. Ne me demandez pas comment on y pourquoi. T'étais sur un fort qui est en montagne, ça aide. Ouais, j'ai fait que ça. Heureusement que j'attaque sur les forts. Bien, il y a 10 000 Suisses qui arrivent. T'es sûr que tu veux pas partir, le Suisse? Si c'est ce qui est arrivé aux Français. Oh là là, les stack wipe dans tous les sens. On regarde maintenant ça. On pourrait faire grossir notre vassal comme un gros sac. Allez, rejoins-moi le Portugal avant que je me fasse défoncer. Bouge. Mais c'est pas vrai. Je suis en trajet là. T'étais pas en trajet, t'étais à l'arrêt. T'étais à l'arrêt. Voilà, j'étais obligé de tout stack wipe moi-même tout seul comme un grand. Je t'ai vu, t'étais à l'arrêt. Bourgogne veut s'allier, moi je veux pas. Allez. Alors d'ailleurs, je vais révoquer l'accès militaire. Et du coup, le commandant, il est mort. Et c'est par ta faute. Oh, tout de suite. Je crois que le français, il aura quand même pas aimé notre... C'est pas vrai, maintenant que t'es avec moi, je paume. Ok, t'avais plus de troupes et de morale, et moi, mes armées, c'est pas les mêmes, hein. Portugais en carton? Je gagne toutes mes batailles, 1 contre 3, il me rejoint, on perd. Il est en carton, et bah il devrait nous permettre de faire le clap de fin, parce qu'on est déjà à la fin de l'épisode. Ah là là, mais franchement, c'est un épisode très intéressant. On a mis des baffes de partout, là on est en train de démonter du français, enfin... Je prends une techno militaire quand même au passage, hein, parce que ça va aider. Est-ce que je peux faire ça, moi aussi? Oui, je pourrais faire ça, mais je vais quand même attendre la fin de l'année. Bien, et ben j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était assez intense, hein, de tous les côtés. Il y a du sel, il y a de la joie, tout ça. Messieurs, on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao, tout le monde. Bye, bye.